Ouais, elle m'a regardé de même. Vous êtes sérieux? C'est un barouette. C'est pas un signe d'ouverture, ça. Hey, je suis content d'être là, Saint-Lin. On va se faire une belle soirée. Hein? Merci à ma première partie. J'ai pas vu la dame, mais j'ai entendu. Crime. C'est dommage, hein? Ah, mais merci beaucoup. Hey, puis la première main d'applaudissement, là, c'est pour vous autres, puis la salle ici, écoute, c'est beau en tabarouette. C'est pas gênant d'avoir une salle comme ça, Saint-Lin. Félicitations. Ben, c'est ça, je vais vous présenter mon dernier one-man show. Celui-là, je vais l'appeler La sagesse reportée. Fait que c'est réglé, hein? C'est une sagesse, monsieur, reportée. J'ai appelé ça de même parce que les gens de 40 ans et plus, vous allez comprendre de quoi je parle, puis les autres, écoutez, Chris. Dans la trentaine, on est encore dans les euses, puis à 40, on tombe dans les eutes. Je m'explique, c'est pas clair. Dans la trentaine, on est encore avec les coiffeuses, des danseuses, des masseuses. Dans la 40, c'est fini, masseuses, hein? On tombe dans les eutes, c'est des masso-thérapeutes, ouais. Ils font même crise de faim, mais ils changent le dos pis ils te crossent pas, ouais. Parce que là, 20 ans, quand je partais avec mon sac, là, Chris, mettons, on partait 3 jours, madame, mettons, c'est 3 jours, 2 paires de jeans, des bobettes, des t-shirts, des condoms. Oh que Chris, 3 jours, 3 boîtes. Ouais. Les grosses boîtes de 12, là. Des bonnes années, les déjà manqué. Asti, oui. Et depuis que j'ai pogné 40, une crise plus des petites boîtes de 3, hein? Ça arrive que j'ai fait par son périmé. Tu bandes plus, mon esti, je fais rien. La sagesse a vraiment de dollars. Puis je trouve que commencer à être sage à 40 ans, c'est comme commencer à mourir 40 ans à l'avance. Je veux mieux mourir à 58 ans constipé avec du bacon tout le tour de la gueule que mourir à 90 ans avec des estis de crottes dures. What? Et c'est pour toutes ces raisons-là, Saint-Lin, que je vous annonce que la sagesse est reportée. Et je m'en souviens de ma claire. Je m'en souviens, C'est pas clair, là. Il y a marre une crise de bonne. Je pense qu'on l'a tout eu à même âge, ma génération. C'est vers 7, 8 ans. 8 ans, 9 ans. Ça, c'est l'âge, souvent, que tu veux voir les limites de ton pouvoir. C'est là que nous autres, on apprenait qu'on avait crissement pas de pouvoir dans cette maison-là. Là. Puis je me souviens de la situation. Je m'en venais dans la cuisine, puis papa, il s'en venait en sens inverse vers moi, dans toute sa splendeur. Il était en robe de chambre, sa crise de robe de chambre de ratine, semi trop courte. On a tout le temps pensé qu'il était à ma mère, sa calice de robe de chambre. Il avait ses petites pantoufles de cuir, il s'en venait, puis il avait le journal d'une main, puis il avait le café de l'autre, puis il s'en venait avec son café, son journal, puis il devait sortir de la douche ou du bain. Tu sais, dans le temps, il y avait le beurre cream, mon gars, il avait une petite coupe de main. Quand je l'ai rencontré dans la cuisine, il m'a demandé, Peter, fais telle affaire, je me souviens pas ce qu'il m'a demandé de faire. Moi, j'ai dit, Chris, je le ferai pas. En partant, je vous le dis, là, c'est pas un bon flanc. Moi, je me suis dit, puis c'est pas dangereux, de toute façon, il est bien occupé. Ne sous-estime jamais un père des années 70. Jamais! C'est des estis de pieuvre, les tabarnelles. Fait qu'imaginez au ralenti, il me dit, fais de l'affaire, moi je fais comme je l'entendais pas, je m'en vais, TAP! Un asti de claque en arrière de la tête, puis je m'en reviens, il avait encore son café sur mon air. Moi j'ai dans l'ouze dans la gueule, j'étais en commotion dans ma mère, je vois des cafés et des journaux partout, puis il y avait l'asti de France qui venait avec ça, va réfléchir dans ta chambre! Oui, pas! Ben non, elle est l'autre bord, ta chambre! Crissé, hein? Les gars! Les petites hôtes sont tannées d'être votre meilleure amie. Faites-lui l'amour. Baisez-la comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis montez sur les toits de Saint-Lin. Puis dites-le à tout le monde. J'ai le baiser de ronde, puis c'était bon en sacrament. Les gars, oubliez jamais la petite phrase, je vais vous dire là. Oubliez jamais cette phrase-là. Jamais, 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 jamais. Il n'y a rien comme une dodue qui est due.